Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la 255e vidéo de mission sur FF7 Crisis Core. On s'attaque à la mission Enquête dans les cavernes. Mission en réalité en fait qui se situe dans la dernière catégorie de projet de recherche sur les monstres, à la recherche de l'inconnu. Et on est toujours en catégorie difficile, mine de rien, ça n'avance pas exceptionnel. Donc ici, on a une plume de gros chocobo en tout premier coffre à récupérer, donc juste derrière vous, faites attention, comme je vous l'avais dit, il faut être vigilant. Souvent derrière vous, il y a des petits équipements à récupérer et vous avez en deuxième coffre une lame élémentaire avec... Enfin, alors, les lames élémentaires, pour vous expliquer un petit peu son utilité, je les ai déjà dit, mais je vous réexplique à chaque fois. C'est si vous avez, par exemple, une matéria brasier X d'associé sur vous, vous pouvez, en fait, attribuer à votre arme, tout simplement, l'attribut feu, je dirais, en fait. En fonction des matérias que vous avez d'associé sur vous, ça prendra l'élément, justement, en attaque. Donc vous avez la lame élémentaire justement pour ce qui est de l'attaque et le bouclier élémentaire qui lui est pour tout ce qui est défense. Donc c'est-à-dire que là, si jamais vous avez le matériel brasier X sur vous, vous serez plus protégé contre l'élément feu. Donc ici on est toujours contre des princes Sawaguin. Donc attention, en physique ça fait assez mal, vous voyez, 2626 avec 160 de résistance. Donc il faut être prudent, surtout si vous avez moins de 9999 de vie. Donc ici, on va se diriger vers le boss que voici. Donc lui, c'est souvent des attaques de type électrique qui balancent. Donc je vais essayer de me remonter mes PV déjà au maximum. L'histoire d'être assez prudent. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, on a un mammouth plus un ennemi, je dirais, un petit peu plus lambda. Donc on va s'attaquer aux griffes de fer d'abord. Et ensuite à la grande corne. Donc voilà. Donc ça se fait très bien. Au point vengeur, vous voyez que ça va très très vite. Avec un petit glitch de fin. Et on obtient en fin de mission une matéria cyclone assaut. Qui est vraiment pas terrible parce qu'elle nous sert absolument à rien. Des matérias cyclone assaut, on en a déjà depuis le début du jeu. Donc je vais sauvegarder et n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire ou à m'envoyer un message privé si vous avez des questions, des remarques, si vous avez des stratégies à poster. Moi ça me fera toujours plaisir. Sur ce, on se dit à tout de suite pour la 256e vidéo de mission sur FF7 Crisis Core.